éditions du journal. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. Bonsoir. À la une ce soir, Fabrice Lucindé, directeur général de la SNEL, vient d'être suspendu de toutes ses fonctions. Adel Kaïnda, ministre du portefeuille, vient de prendre un arrêté considérant la recommandation de l'Assemblée nationale. Des précisions sur cette décision dans cette édition d'information. 3 mai, journée internationale de la presse, le comité de suivi des recommandations des états généraux de la presse s'y penche. La nouvelle loi sur la presse, elle doit être vulgarisée. Plusieurs experts sont de cet avis. Ils se sont retrouvés au centre Nganda Kinshasa autour du ministre de la communication et des médias. Lutte contre la fraude concernant le dédouanement des véhicules d'occasion. La DGDA vient de mettre en place un dispositif de contrôle. Comment fonctionne ce dispositif? Nous allons en parler dans cette édition d'information avec notre invité Carole Loutaladio. Il est directeur des douanes et Axis au sein de cette entreprise de l'État. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les déclarations de Paul Kagame soulèvent des réactions virulentes et font rire à Goma. Les langues se sont déliées pour rétablir la vérité. Il y a eu falsification de l'histoire. Je vous propose d'écouter les habitants de cette ville. Je suis de Goma, je suis un notable de Goma, du territoire de Nyiragongo. Ça fait tellement rire que Kagame puisse verser dans des propos balivernes comme ceux qui disent qu'il a des terres en République démocratique du Congo, notamment la partie est du pays, comme il a toujours dit. En fait, ça, c'est vraiment pleurant, parce que Kagame a beaucoup endeuillé la RDC. Ça fait au moins 2 décennies que l'est du pays est sévi par les atrocités de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est sanguinaire. Paul Kagame, c'est versant dans ses propos, il veut juste flouer ou soit falsifier l'histoire. Plutôt, c'est nous qui avons des terres à réclamer au Rwanda, notamment à la ville de Gisenyi. Gisenyi, c'est falsifié, c'est un nom congolais qui a été falsifié par le Rwandais. Ce n'est pas Gisenyi, c'est plutôt Kishenyi. Kishenyi qui signifie un lieu où on coupe le bois de chauffe. C'est un nom purement congolais. Ça vient du dialecte Hunde, les Kihunde, hein? Comme toute la partie, elle est une partie du peuple Hunde. Nous allons dans la ville de Rwenguéri. Ce n'est pas Rwenguéri comme les Rwandais l'ont falsifié. C'est plutôt Muhengere. Muhengere qui signifie route principale. Et beaucoup d'autres lieux qui ont été falsifiés. Alors, je pense que la communauté internationale doit être vigilante et doit poursuivre Paul Kagame avec ses propos malencontreux. En tant que citoyen congolais, j'ai le devoir de pouvoir réagir aux propos du président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame. Il doit se rappeler que dans l'histoire, depuis 1880, dans la carte de l'Afrique, le Rwanda n'existait pas. Et s'il nous réclame aujourd'hui une partie de terre du Rwanda qui existe en RDC, eh bien c'est paradoxal. Il faut qu'il se rappelle de cette carte, et qu'il faut qu'il se rappelle que nous avons des anciennes colonies. La Belgique qui a colonisé la RDC connaît bien qui est le géniteur, qui était le royaume Congo. Et à ce temps-là, le royaume Rwanda n'existait pas. Donc, il doit revenir dans son histoire, et en tant qu'intellectuel, il est appelé à bien lire l'histoire de son pays. C'est à nous maintenant de se réveiller et de comprendre maintenant donc les nœuds du problème. Ce n'est plus donc les FLR, donc les réfugiés donc rwandais ou soit les rebelles rwandais. Maintenant, il est maintenant clair. Hein, il s'est caché derrière un doigt de parler de la rébellion qui faisait donc menace donc à son pouvoir. Mais pour le moment, nous comprenons que c'est le problème maintenant donc du territoire qu'il est en train maintenant de réclamer. Toute chose a une fin. Ce que Kagame est en train de dire, c'est un conte à dormir debout. Mais, advienne que pourra, nous allons vaincre.
Justin Bitakura brise le silence. Il compare le président rwandais à un Hitler de temps moderne. Ce notable du Sud Kivu appelle à une prise de conscience de la population face aux velléités expansionnistes de l'agresseur. Le soutien de certaines puissances occidentales, Kagame se comporte au nouvel Hitler en Afrique centrale en général et dans la sous-région des Grands Lacs en particulier. Et pour Kagame, heureusement que les langues commencent à changer, mais je vais apprendre à Kagame que le Japon a colonisé la Chine pendant 109 ans. Lui n'a pas encore colonisé la RDC pendant plus de 30 ans. J'ai discuté ce week-end avec un professeur, c'est un égyptologue. Il a des preuves à l'appui que jusque vers les années 1880, le Rwanda n'existait pas. Je crois que le professeur Ndaiwel aussi en parle. Que c'est le Congo qui a des terres à revendiquer au Rwanda. Le Rwanda n'a aucun millimètre carré à revendiquer à la République démocratique du Congo. Qu'aucun pays ne peut se libérer si dans son ensemble, ce peuple n'a pas la même conception de son avenir. Donc Kagame, comme la photocopie de Hitler, il pense, avec l'autorisation, je ne sais pas, des anciens présidents, qu'il peut s'autoriser à nous exterminer le Congo. Et il a l'autorisation de puissance occidentale. Alors qu'on profite de l'occasion, il y a des intellectuels qui existent. Nous allons commencer effectivement à revendiquer les génocides congolais. Et nous sommes morts qu'à 800 000. Nous sommes au-delà de 10 millions. Quel est le vrai génocide? C'est celui du Rwanda ou de la RDC? Celui de la RDC. Plus de 10 millions de morts. Sur la tête de Kagame lui-même. Kagame confond les Congolais au Hutu du Rwanda. Parce que vous savez que dans l'armée rwandaise, il n'y a aucun Hutu général. Je sais qu'il n'y a même pas de colonel. Ils sont tous Tutsis, tous les généraux sont Tutsis. Donc, il pense que comme il a muselé les Hutus chez lui, il doit museler les 80 millions, 120 millions de Congolais. J'ai été à l'est du pays, il y a de l'alcool qui vient de l'Ouganda, ça vient de Rutshuru, pour droguer tout le peuple congolais. L'État congolais. Adel Kaïnda s'insurge elle aussi contre les propos de Paul Kagame lors de sa dernière sortie médiatique. Pour la ministre d'État, le président rwandais vient de déclarer une guerre spirituelle à la RDC. L'intangibilité de nos frontières héritées de la conférence de Berlin ne constitue nullement une matière à réviser. Une approche partagée avec conviction par la princesse Adel Kaïnda Maïna dans sa casquette de chrétienne engagée. La paix de mon pays me préoccupe, et cela au quotidien. Pendant plus de 25 ans que le Rwanda nous a agressés, sans donner une raison fondamentale, le Rwanda se mettait dans une position de se victimiser. Et comme il l'a dit lui-même, ce qu'il a caché pendant plus de 25 ans, la vérité finit par triompher. Mon intervention, c'est un acte de foi pour ce qui concerne l'intégrité territoriale de la RDC. La République démocratique du Congo, c'est un don de Dieu. La RDC a 2 345 000 km². Aucun pays ne pourra nous ravir, ne fût-ce qu'une portion de la terre. Il apporte la lumière selon les Saintes Écritures. Deutéronome 27, le verset 17. Dit ceci, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Monsieur Paul Kagame vient de déclarer la guerre à notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ. Pour cette chrétienne d'Adel Kaïnda Maïna, les prières intenses sous son initiative en la cathédrale du centenaire protestant, au stade du martyr de la Pentecôte et la marche vers le siège des Nations Unies ont contribué à démasquer la posture du vrai agresseur de la RDC.
Merci Angèle Mabiala-Landou. Puisqu'on parle de la ministre d'État, ministre portefeuille, elle vient de prendre une décision vu les statuts de la SNEL-SA, considérant la recommandation de l'Assemblée nationale formulée à la suite de l'interpellation de M. Fabrice Lucindé, directeur général de la SNEL, d'obtenir la révocation dans les 48 heures pour cause d'incompétence et d'inefficacité dans la gestion de la société, considérant la nécessité de préserver les intérêts de l'État dans cette société, vu l'urgence, arrête. Article 1er, est suspendu de toutes ses fonctions au sein de la SNEL SA, entreprise du portefeuille de l'État, M. Fabrice Lucindé Walusangi Kabemba, directeur général. Article 2, le président du Conseil supérieur du portefeuille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 18 avril 2023, Adel Kainda Maïna. La loi portant code de procédure pénale congolais a été déclarée recevable aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Son auteur, c'est le député national Juvenal Mounoubou. Précision, Sylvie Moïmbo. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais, l'Assemblée nationale a clos le débat général et jugé recevable cette proposition de loi modifiant et complétant la loi en vigueur en matière de violences sexuelles. Pour l'auteur de ces textes de loi, le député national Juvenal Mounoubou, ces dispositions réaffirment l'engagement des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs dans leur déclaration du 15 décembre 2011 au sujet de la gratuité des frais judiciaires au profit des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Selon les intervenants à la tribune, l'article 123 bis a été considéré des constitutionnalités. Répondant aux préoccupations soulevées, le député national Juvenal Mounoubou s'est dit très respectif aux remarques de la plénière. Le texte a été déclaré recevable et renvoyé à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de 3 jours pour des améliorations. Les innovations de la nouvelle loi sur la presse doivent être vulgarisées. Le comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et médias l'a mentionné. Les membres de cette structure se sont retrouvés autour du ministre de la Communication et des médias, Gaëtan Magalano. La validation de mandats de nouveaux membres, la salubrité médiatique ainsi que le préparatif de la Journée mondiale de la liberté de la presse prévue le 3 mai prochain au centre de cette 6e session du comité de recommandation des États généraux de la communication et médias, présidé par le ministre de la communication et médias en sa qualité de président dit comité. Satisfait de l'avancement de travaux, Patrick Muyaya estime qu'il était également question de parler de la vulgarisation de la loi Muyaya avant sa publication dans le journal officiel. Il fallait donc ici aujourd'hui discuter avec les différents acteurs du secteur pour qu'ils comprennent le bien fondé de la loi que nous avons d'ailleurs, travaillé ensemble, mais qu'on se prépare à la vulgarisation parce que le souhait c'est que ce n'est pas le ministre ou le ministère qui va faire la communication autour de cette loi ou de la vulgarisation, mais il faut que le bénéficiaire, le parti prenante, les organisations professionnelles puissent être celles qui prendront le lead de la communication sur cette initiative. La particularité de cette 6e session est la participation de quelques nouveaux membres, tels que l'ONG Reporters sans frontières et MCC Unit du ministère de Finances, cellule dont la mission est d'accompagner le réforme avec le ministère sectoriel impliqué dans le 21e indicateur du Millennium Challenge Corporation. Montée de la criminalité à Lubumbashi, Jacques Kabula Katwe a eu des échanges autour de cette question cruciale avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le climat social dans la province de l'Équateur et la réhabilitation de certains députés provinciaux, sujet évoqué par Peter Kazadi avec le gouverneur de cette province et la présidente de l'Assemblée provinciale. La suite avec Alain Bigay. Très préoccupé par la situation sécuritaire du pays et le fonctionnement harmonieux des institutions provinciales, le patron de la territoriale congolaise, Maître Peter Kazadi Kankondé, multiplie les contacts avec les gestionnaires au quotidien de ces entités territoriales.
La présidente de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de l'Équateur étaient les premiers à échanger avec le vice-premier ministre de l'Intérieur sur la marche de leur province. Marie-Josée Moulepo et Bobo Boloko ont passé en revue la situation générale de l'Équateur, notamment le climat social et la réintégration des députés provinciaux réhabilités par la Cour constitutionnelle. La question de la stabilité des institutions de la province de l'Équateur était aussi au centre des échanges du vice-premier ministre de l'Intérieur et les caucus des députés nationaux de l'Équateur conduits par Sam Bokolombi. Les gouverneurs Jacques Yabouladio Katanga étaient aussi reçus en audience par Maître Peter Kazadi Kankondé. Ici, il était question de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. Les gestionnaires au quotidien du Sankuru, Gilles Lodier Mongo, étaient aussi au rendez-vous pour aborder les questions qu'il qualifie confidentielles de sa province avec les patrons de la territoriale congolaise. Avec l'ambassadeur belge en poste à Kinshasa, Peter Kazadi a échangé avec lui sur la finalisation des différents projets bilatéraux en cours en République démocratique du Congo. À son tour, l'ambassadeur néerlandais a évoqué avec celui qui a les affaires coutumières en sa charge la tenue de l'atelier national sur les rapports généraux du processus de codification des règles coutumières des successions au pouvoir. Kinshasa se prépare à passer le bâton de commandement à Bujumbura pour assurer le lead dans le mécanisme régional de suivi. La 11e réunion aura lieu le 2 mai prochain à Bujumbura. Sur la paix en Ituri, le général Raos Chaloui, vice-gouverneur de cette province, a donné des assurances au ministre d'État Antipas Mboussa Nyamwisi. Sylvie Moembo. Pour une campagne de désarmement, démobilisation et de relèvement communautaire plus persuasive, c'est le vœu du vice-gouverneur de la province de l'Ituri, Raos Chaloué, exprimé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi. Je viens, c'est pour parler, surtout que je suis général Raos, la ville est calme. J'aimerais bien que ce calme soit réel dans ma province que je vais être actuellement. Les plans d'action prioritaires pour la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi parmi les objectifs du sommet de Bujumbura qui sera notamment marqué par la cession du bâton de commandement par le président en exercice du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Selon le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Maître Claude Ibalanqui, les travaux préparatoires pour ces sommets se déroulent en toute quiétude. Il a annoncé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi. J'ai fait part au ministre d'État de l'évolution des travaux, des préparations de ces sommets, mais également je lui ai fait part du bilan de toute l'année où le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, a assumé la présidente tournante du mécanisme régional de suivi. Le mécanisme national des suivis a pour mission d'assurer les suivis et la supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. On fait le compte sur le travail abattu dans le cadre du PDD-CRS pour le premier trimestre dans les 5 provinces prioritaires de ce programme en République démocratique du Congo. Notre reporter Joël Kayembe évoque notamment qu'il y a déjà un site sur le 3 disponible, 4 plans sont opérationnels et 20 000 ex-combattants sont attendus. La restauration de l'autorité de l'État, la stabilisation et les relèvements des conditions de vie communautaires dans les provinces à conflit de la RDC. C'est l'objectif poursuivi par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Devant les chevaliers de la plume, le coordonnateur du PDDRCS fait le point sur les activités du premier trimestre de ces programmes. La restauration de l'autorité de l'État devient une nécessité qu'une obligation. On ne peut pas stabiliser l'est de la RDC. Si les groupes armés sont en train de pulluler partout, s'il y a encore des camps de déplacés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans les bons. Nous avons déjà préparé tous les états, tous les projets pour que nous puissions avancer. Grâce au travail de terrain mené par ces programmes, Tomine Tamwe rassure d'un avenir meilleur pour les zones concernées. Nous avons effectué des missions des états des lieux
et de ces missions des états des lieux nous ont donné la réalité pour 5 provinces. Nous avons déjà les sites de désarmement, les sites de mobilisation. Et nous avons déjà des projets pilotes dans ces provinces. Donc ça veut dire maintenant, le travail qui reste, c'est d'aller mobiliser les moyens pour que le travail soit fait. À 10 km de Bounia, les sites de Diango, avec une capacité d'accueil de 1000 combattants, associés au site de Mbambou et d'Irumu Centre, ces trois centres attendent 20 000 combattants des 5 provinces prioritaires du PDDRCS. John Tumba, député national, repose pour l'éternité à Kananga. On revient sur son dernier voyage dans ces images commentées par Robert Ndaichi-Sensei. Le 17 avril 2023 restera une journée noire pour la population du Kasaï central inconsolable. L'ancien ministre de la formation professionnelle et deux fois élu député national de la circonscription de Kananga, John Tumba Panumpakole, a été inhumé dans sa concession privée de Benamandé en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu, du gouverneur du Kasaï central John Kabir Shikai et quelques membres du gouvernement. Bien avant cette inhumation, une messe de requiem a été dite à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga par Monseigneur Félicien Tamboué. Un moment de vive émotion pour l'ensemble de la population de Kananga qui reste orpheline. Dans son homélie, l'archevêque de Kananga a reconnu les valeurs morales de ses dignes fils, John Tumba Panumpakole, surtout pour ses nombreuses réalisations en faveur de sa province. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu, représentant personnel du speaker de la Chambre basse, le Kasaï central, père, un homme des valeurs et l'union sacrée, un stratège. John Tumba va terriblement nous manquer. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce stade? Nous pouvons dire à ce stade que ce combat va continuer. On a parlé de cash, mais on l'a dit également ici. John Tumba a signé la charte de l'union sacrée de la nation. Tous les hommages sont allés dans le sens de reconnaître tout ce que John Tumba a fait pour sa nation et surtout pour sa province. Tout le long du parcours funèbre, l'émotion était visible. John Tumba quitte la terre des hommes à 54 ans, laissant derrière lui une veuve et deux enfants. Que son âme repose en paix. Revenons à Kinshasa. Christine Lenzo démontre avec images à l'appui la reprise du trafic dans quelques grandes avenues de la capitale, notamment dans la commune d'Ongaliema. Regardez ces images. Les travaux de réhabilitation des routes se trouvant dans les districts de Moamba et de la Lukunga évoluent normalement. Certains sont en cours d'exécution, d'autres par contre sont déjà ouverts à la circulation. C'est le cas des travaux sur l'avenue du tourisme dans la commune d'Engaliema. Ici, les ingénieurs de l'OVD ont travaillé d'arrache-pied et la route est de nouveau praticable, constat fait par le directeur général de l'OVD, Victor Tumba, qui était sur terrain. Nous avions commencé la visite sur Zela Amaï, qu'on appelle communément tourisme. La régie a commencé les travaux sur ces tronçons. Les tronçons qui étaient le plus dégradés ont été déjà traités parce que là, nous avons utilisé les pluvimixeurs. Juste après, le DG Victor Tumba, accompagné du DPK Alain Chimbalanga et du directeur technique Julio Kisoso, s'est dirigé vers l'avenue de l'école qui est en plein bétonnage dans le respect de l'art. Sur l'avenue Okapi, la couche de roulement a été renforcée, les nids de poules ont été totalement supprimés. Il y avait un effondrement sur l'avenue de l'école qui est déjà prise en charge, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Et nous pensons que la DPK va activer très rapidement pour pouvoir terminer ces travaux-là. Après la visite, dans les chantiers de la Lukunga, c'était la visite sur l'avenue de l'université au niveau de Capella où la couche de base est déjà posée. Nous devions d'abord résoudre les problèmes d'assainissement. À partir des eaux qui viennent de la chaussée de Kimenza, c'est ce qui a été fait. Maintenant qu'on a résolu les problèmes d'assainissement, nous avions voulu maintenant travailler la chaussée. Vous voyez qu'on est presque sur la plateforme. Ça fait 108 mètres qui va être complètement bétonné. Le DG Victor Tumba est très satisfait de ces travaux exécutés à Capella par la régie de l'OV de Kinshasa. 108 mètres de cet axe routier seront totalement bétonnés.
Infrastructure encore, cette fois-ci à l'intérieur du pays, le bâtiment administratif du territoire d'Ilebo a retrouvé son éclat. Cette bâtisse vient de subir des travaux de réhabilitation pour améliorer les conditions de travail. Soucié du développement de son territoire Ilebo et du travail bien fait, le fils du terroir Mafos Ndambo Fortina a eu à cœur de réfectionner le bâtiment administratif du territoire repeint après plusieurs décennies. Ce bâtiment délabré qui n'inspirait plus confiance et qui n'offrait plus un bon environnement de travail vient de revêtir sa belle robe d'antan. Le rajeunissement de ces bâtisses est l'œuvre de Mafos Ndambo Fortuna qui s'est engagé à offrir un milieu de travail agréable et sécurisé aux administrateurs de ces bâtiments de l'État. Les travaux ont consisté à l'application de la peinture à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Aujourd'hui, la bâtisse est rafraîchie avec un mobilier adapté au cadre ainsi rénové. Le geste de Mafos Ndambo ont suscité beaucoup de réactions, dont principalement celle de l'administrateur du territoire, Clément Moua Makangu. Je pense que ce n'est pas pour la première fois. Vous l'avez déjà fait pour l'ISC Ilebo, à qui vous avez remis 200 sacs de ciment. Que vous puissiez continuer à le faire, nous allons toujours vous soutenir. Nous sommes derrière vous et le territoire d'Ilebo est fier de recevoir ce matériel. Hormis les travaux de réhabilitation et de mobilier des bureaux, M. Mafos Fortuna Ndambo a également remis des matériels de cantonnage manuel en plus d'une enveloppe consistante pour le bon fonctionnement de cette entité administrative. Retraite politique pour la plateforme Horizon 2023. Plus de 350 personnes prennent part à cette retraite. Objectif, peaufiner des stratégies pour la bonne marche, mais aussi exprimer un soutien aux actions du chef de l'État, Emmanuela Commissaire Mokato. La plateforme politique Horizon 2023 a pris l'engagement de donner au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une majorité aux différents scrutins électoraux. C'était l'une des résolutions de la retraite politique qui a réuni 350 cadres et hauts cadres de cette plateforme. Trois thèmes ont été exploités, notamment les fondements politiques et philosophiques des Horizons 2023, la raison d'être de Horizon 2023, ainsi que le guide du candidat. Ces différents thèmes, développés par Dadi Chiswaka, Xavier Richard Ngeleka et le professeur Dan Kuba, respectivement coordonnateur national, secrétaire général adjoint et coordonnateur interfédéral ville-province de Kinshasa. Horizon 2023 des objectifs, de pouvoir accompagner la fin du quinquennat actuel du président de la République, de sorte à s'assurer d'aller chercher ce deuxième mandat que nous voulons tant pour notre chef. Deuxième objectif, c'est de pouvoir obtenir une majorité qui s'identifierait au président de la République. Une véritable formation observée rarement dans l'environnement politique congolais qui a connu également des travaux en atelier et sanctionné à la fin par une remise de brevet à chaque participant. Nous sommes dans la formation pour la maîtrise de ce que nous allons faire et atteindre un objectif meilleur pour un Congo fort, uni et prospère. L'horizon 2023 est en train de travailler pour la vision des chefs de l'État. Car dit-on, ensemble, nous pouvons bâtir. Une autre formation politique qui affiche un soutien total au président de la République, il s'agit de l'Alliance pour un Congo fort, ACF. Cette formation politique a enregistré des adhésions massives de nombreux compatriotes. Créée il y a quelques mois, l'Alliance pour un Congo fort, ACF, parti membre de l'Union sacrée, affûte les armes pour les élections prochaines. Cette formation politique que dirige l'honorable John Banzalunda, président national, prône la social-démocratie et soutient les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme témoigne cette cérémonie d'adhésion massive à ce jeune parti qui met l'homme au centre de toutes les initiatives. L'ONG Zoamé dirige par son président Idriss Seto Bagona et les collectifs des serviteurs des dieux pour les soutiens aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son président du conseil d'administration, les bergers Freddy Mputela, ont apposé leur signature sur le protocole d'accord.
Le premier vice-président représentant le président national leur a remis par la suite les emblèmes du parti, notamment les drapeaux et les fiches d'adhésion. Il a été demandé aux adhérents à bien intérioriser l'idéologie de cette formation politique. On a trouvé bon de s'affilier avec l'ACF, parce que l'ACF, c'est un parti politique qui accompagne le chef de l'État sans une vision cachée. Et l'ACF est totalement derrière le chef de l'État, qui est garant de la nation, et lui aussi cherche le développement du Congo. Bien avant, le président national, honorable John Banza, est revenu d'une mission d'implantation du parti dans le Grand Katanga et d'installation des animateurs au niveau de province. À cette occasion, il a sensibilisé la base sur l'enrôlement et les soutiens aux actions du chef de l'État. Alliance pour un Congo fort a pour devise unité, travail et justice. Vulgariser les actions du chef de l'État, c'est une mission que se donne l'Union pour les valeurs tshisekédistes à travers la République. Nous vous proposons dans ce reportage l'étape de Olomami où Eric Kato, le président provincial, a organisé des séances d'explication. C'est la place de la poste à Kandakanda d'Ale Olomami qu'a servi de point d'intersection pour les différentes populations venues de plusieurs villages pour écouter Eric Kato, le président provincial Olomami de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Entouré de ses compatriotes, Eric Kato affirme que les programmes des 145 territoires est jusqu'ici le projet phare du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'il faut soutenir car ce projet va développer notre province. C'est au cadre de l'UVT a saisi l'occasion pour énumérer au profit de cette population les réalisations déjà palpables du chef de l'État, notamment la gratuité de l'enseignement, la construction des infrastructures en province, le rajeunissement de l'armée congolaise avec de nouvelles recrues et tant d'autres actes sociaux dans la capitale comme en province. Il a également sensibilisé les jeunes à lutter contre les antivaleurs, à plus de responsabilités ainsi qu'au patriotisme, car le développement du pays les appartient. Pour l'UVT, au regard de ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les candidats investis du parti Union pour des valeurs tshisekédistes à la présidentielle de décembre 2023. Chose, un homme, une brique, c'est un projet pour construire un centre de formation permanente pour les femmes à travers différentes provinces du pays. La nouvelle ministre du genre, Mireille Massangou, qui a conçu l'idée, a trouvé du répondant auprès de l'UNFPA, Yvette Makontima. Les numériques, la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. La ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangou Bibi-Muloko, s'aligne sur les thèmes de la journée dédiée aux droits de la femme, édition 2023, avec une initiative, un homme, une brique. Ces projets visent la construction d'un centre de formation permanente en numérique sur toute l'étendue du pays en faveur de la femme. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, par le truchement de son représentant résident, Eugène Kongniou, s'est dit favorable à accompagner la RDC en mettant en place des services holistiques pour la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre et assurer que la base des données est accessible et disponible. Avec la représentante de la section genre des Nations Unies pour la stabilisation à RDC, Mireille Afamindier, les discussions ont tourné autour de la participation des femmes congolaises au processus de paix de Nairobi, les initiatives de paix à Luanda et enfin le renforcement des capacités des femmes candidates des élections 2023 en vue d'accroître la représentation des femmes en politique. Les priorités d'action en matière du genre pour la RDC, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a présenté mardi 18 avril 2023 les outils et instruments indispensables pour accompagner la RDC dans sa politique du genre. Autre sujet abordé avec la patronne du genre, la masculinité positive et la campagne de la tolérance zéro à l'endroit des auteurs des violences sexuelles faites à la femme. Pour sa part, Mireille Massangou Bibi-Muloko est très engagée dans la réalisation des activités qui font la promotion du genre en République démocratique du Congo.
20 000 tonnes métriques de gasoil sont disponibles à Kinshasa. Ceci est le fruit du partenariat conclu entre la banque UBA RDC et la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Plus de détails avec Joseph Oscar Mbalkaïch dans ce reportage. Partenariat d'avenir entre UBA RDC et Sona Hydroc. Ce mariage porte ce premier fruit avec l'arrivée de la première cargaison de 20 000 tonnes métriques de gazole. Pour un financement de 130 millions de dollars américains, c'est l'une des retombées de la signature de ces partenariats entre la banque UBA et la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sona Hydroc, SA. Ça fait plus de deux décennies que nous n'avons plus jamais importé des grandes cargaisons de produits pétroliers. On venait d'acquérir une cargaison de 20 000 tonnes métriques de gazole que nous avons réceptionnée dernièrement à Matadi. Nous venons encore d'acquérir 20 000 tonnes métriques plutôt d'essence. Et nous, les agents, on attendait qu'ils fassent quelque chose et on s'est rendu compte que bon, il nous a semblé en un premier temps être l'homme de la situation, mais avec le temps, on se rend compte que c'était l'homme qu'il fallait. Avec l'avènement de ces comités, ces nouveaux comités dirigés par M. Marcelet Bilomba Mbale, nous avons constaté que le travail est mis dans les rails. Cette première livraison a été réceptionnée le samedi 25 mars à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans les installations de CEP Congo, un des partenaires de la Sona Hydroc SA, ce qui vient ainsi de concrétiser les accords signés au mois de juillet 2022 à Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire, lutte contre la fraude concernant le dédouanement des véhicules d'occasion. La DGDA vient de mettre en place un dispositif de contrôle. On en parle justement avec notre invité, Carole Loutaladio. Rebonsoir. Bonsoir Françoise. Alors vous êtes directeur des douanes et accises, mais aussi en charge de... La valeur en douane. La valeur en douane. Mmh. Essayez de nous expliquer ce quoi ce dispositif et comment il fonctionne. Voilà, d'abord les contextes, rapidement. La douane enregistre depuis un certain temps un phénomène atypique de minoration de valeur déclarée à l'importation des véhicules d'occasion. Cela occasionne non seulement des pertes de recettes, mais également la concurrence déloyale au détriment des opérateurs économiques des véhicules d'occasion qui déclarent correctement leur valeur en douane. Une idée sur ces pertes que vous évoquez. Voilà, donc on a fait une étude au niveau de la douane de 2019 à 2022. Donc la moyenne en termes d'écart entre les valeurs déclarées qui sont minorées et les valeurs de référence qui traduisent un peu la réalité des prix pratiqués sur le plan international, l'écart tournerait autour, négatif bien entendu, autour de plus de 200%. Je vous donne un exemple. Nous sommes des importateurs, vous et moi, nous importons deux véhicules identiques auprès de vendeurs qui sont basés à Dubaï. Au niveau de la douane, moi, je déclare pour ces véhicules d'occasion 40 000 dollars de valeur. Et vous, vous déclarez pour les mêmes types de véhicules identiques 2 000 dollars. Mais et donc, pas moi, c'est juste un exemple. Tout à fait, c'est un exemple. Oui. Et donc, cela crée une distorsion sur le marché par rapport à l'opérateur économique qui déclare correctement que je suis 20 000 dollars préjudiciés. Et de l'autre, le gouvernement qui a besoin des recettes pour financer les budgets, pour financer les programmes économiques du gouvernement en rapport avec la construction des infrastructures, la lutte contre la fraude, et démunis. Et donc, étant une administration qui constitue en fait une des structures du gouvernement en matière de l'application des politiques douanières, nous ne devons pas croiser les bras. Nous sommes une administration responsable. Nous devons monter des stratégies. Voilà. Et la stratégie que nous avons montée, c'est la mise en place d'une réforme
visant le renforcement du contrôle de la valeur déclarée à l'importation de véhicules d'occasion. Et comment ça fonctionne rapidement? Voilà, justement. Ça fonctionne rapidement de manière simple. Donc, nous avons mis en place une liste de véhicules d'occasion ciblés, assortis de valeurs de référence. Cette liste interagit avec les systèmes informatiques douaniers, de sorte que quand l'importateur ou son déclarant déclare une valeur, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, il déclare une valeur qui est supérieure à la valeur qui est renseignée sur la liste qui est implémentée dans les systèmes informatiques. Sa déclaration passe sans problème. Et donc, les agents qui sont chargés de l'examen de la déclaration vont accepter cette valeur pour la détermination de la valeur en douane. La deuxième hypothèse, la valeur déclarée est en deçà de la valeur qui est renseignée sur la liste, voilà, sur cette liste à laquelle j'ai fait allusion, qu'on appelle dans notre jargon les car value, c'est en anglais, c'est-à-dire la valeur des marchandises, la liste des valeurs de marchandises. Et donc, si dans la deuxième hypothèse, la valeur déclarée est en deçà de la valeur des références renseignées sur la liste, eh bien, les agents chargés de l'examen de la déclaration vont prendre en compte la valeur des références qui est renseignée sur la liste, n'est-ce pas, pour la détermination de la valeur en douane. Donc, voilà comment, en bref... C'est simplement expliqué. Alors, est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Tout à fait. Nous avons déjà expérimenté sur l'ensemble du territoire national depuis le 1er avril 2023. Et donc, je peux ici dire que même les valeurs que nous avons retenues, à la demande de la Corporation des importateurs et vendeurs des véhicules d'occasion, à l'ère des mannes, nous l'avions en fait déterminé avec une certaine décote. Et donc aujourd'hui, pour participer au programme du gouvernement, pour lutter contre la concurrence déloyale, nous devons nous impliquer dans cette réforme mise en place par la Direction générale des douanes et accises. Merci, Carole Loutaladio. Je rappelle que vous êtes directeur des douanes et accises, mais aussi en charge de la valeur ajoutée. Merci pour toutes ces informations. Merci, Françoise. Nous allons initier des enquêtes pour vérifier justement l'efficacité de ce dispositif qui lutte contre la fraude dans ce secteur. Merci d'être passé. Merci, Françoise. Voilà, ce journal est terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers la République. Je vous recommande La Même Attitude à 23h, nouvelle édition avec José Baïtombo. Entre-temps, juste après ce journal, vous aurez droit à la page magazine que vous propose Angèle Mabiala-Landou sur le point de presse tenu par la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda qui monte au créneau concernant les dernières déclarations du président rwandais. Restez avec nous, je vous retrouve demain à 20h.